1853. Schumann a 43 ans. En mai, il fait la connaissance du violoniste Joseph Joachim. Grand enthousiasme immense, note-t-il dans son journal. Joachim ensorcelle tout le monde. Clara Joachim, souper, très gai. Joachim merveilleux. Matin et soir, fait de la musique avec Joachim. Belles heures. Le soir, admirable ciel étoilé. 6 mois plus tard, Joachim envoie au Schumann un jeune compositeur de ses amis, âgé de 20 ans. Extrait du journal de Jenny Schumann, l'une des filles de Robert et Clara Schumann. Un jour, c'était en 1853, vers midi, un coup de sonnette retentit. À la façon des enfants, je me précipite et j'ouvre la porte. Un tout jeune homme, aux longs cheveux blonds, beau comme le jour, est devant moi. Il désire voir mon père. Je réponds que mes parents n'y sont pas. Il demande alors à quelle heure il pourra repasser. Demain, à 11h, car d'habitude mes parents sortent à midi. Le lendemain, à 11h, il revient. Nous étions à l'école. Mon père le reçoit. Il a apporté ses compositions et mon père pense que du moment qu'il est là, le mieux serait qu'il les lui joue tout de suite. Le jeune homme s'assied au piano. Mais après quelques mesures, mon père l'interrompt en disant « Je vous prie, attendez un moment, il faut que j'appelle ma femme. » Et s'élance dehors. Le repas de midi qui suivit est demeuré gravé dans ma mémoire. Mes parents, tous deux émus et ravis, ne cessèrent de s'entretenir du même sujet et ne parlèrent que du génial visiteur de la matinée. Johannes Brahms. Les premières compositions de Brahms bouleversent complètement Schumann. Il écrit « Voici celui qui devait venir ». En collaboration avec Brahms, il écrit pour l'anniversaire de Joachim une sonate pour piano et violon. Le virtuose et Clara l'interpréteront lors des réunions quasi quotidiennes qui rapprochent les quatre artistes. Oasis de paix et de sérénité où tous les périls semblent conjurés. Ce sont les derniers moments de lumière avant la folie de Schumann. En janvier 54, un triomphe public couronne ces mois de bonheur. Joachim et Brahms organisent à la cour de Hanovre un festival dédié aux œuvres du maître. L'auditoire, transporté, ovationne longuement Robert Schumann. Thank you.
Clara parle de Joseph Joachim, juillet 54. Je me sens auprès de lui en toute confiance. Son être et sa sensibilité sont si délicats qu'il comprend immédiatement mes moindres états d'âme. Schumann parle de Clara. La perfection de son jeu me fait oublier la femme pour l'artiste. Journal de Clara, 1853. Matin divin, le temps le plus merveilleux et le visage de mon Robert heureux. Mon cœur est empli d'amour et de vénération pour Robert, de reconnaissance au ciel pour le merveilleux bonheur dont il m'a comblé. Brahms à Joachim. Que te dirais-je de Schumann ? Ferais-je l'éloge de son génie et de son caractère ? Ou me lamenterais-je sur le fait que les gens manquent gravement aux circonstances et aux convenances lorsqu'ils jugent si mal et respectent si peu un homme bon et un artiste divin ? Joachim parle de Schumann. Il est bien naturel que, plongé dans une perpétuelle musique intérieure, il ne remarque pas certains faits autour de lui. On ne peut que l'en vénérer davantage. C'est le seul des compositeurs actuels qui soit traversé du même torrent musical impétueux que Beethoven et Schubert. Il chante comme sa nature le lui dicte, et il a le courage de dire à tous « Je ne saurais faire autrement ». Joachim, au sujet de Brahms. Il est tendre, idéaliste, blond, intimidé. Schumann, au sujet de Brahms. C'est un jeune homme délicat à l'expression rêveuse qui, sans la moindre affectation, parle tout naturellement un langage poétique. Il signe ses manuscrits Johannes Kreisler Jr. et répond exactement à la définition qu'en donne Joachim. Pur comme le diamant, doux comme la neige.
et on est obligé de l'interner. Et c'est un drame pour Clara et pour les deux jeunes gens. Ils resteront amis toute leur vie autour de la musique et du souvenir de Schumann. Brahms enverra toutes ses œuvres à Clara qui lui donnera ses commentaires. Et il écrira pour Joachim son concerto de violon. Joachim vivra jusqu'en 1907 et peut-être lorsqu'il sera très vieux, il se souviendra de cette anecdote qui est arrivée pendant son enfance, lorsqu'il avait 10 ans. Les soirées musicales privées avaient souvent lieu dans la maison des Mendelssohn. Et Schumann y participait volontiers. C'est ainsi qu'un soir, Mendelssohn et Joachim jouèrent la fameuse sonate à Kreutzer de Beethoven. À la fin du concert, Schumann et le jeune prodige se trouvèrent côte à côte à table. Et après avoir longtemps regardé le ciel étoilé par la fenêtre, Schumann sourit et posa sa main sur le genou de Joseph, lui disant « Je me demande s'il peut exister, là-haut, des êtres qui savent qu'ici, sur la terre, il y a un jeune garçon qui a si bien joué la sonate à Kreutzer avec Mendelssohn. »